Nous partons aujourd'hui dans une ville du sud-ouest de la France que Claude Nougaro a si bien chantée et dont il s'est si bien inspiré en arpentant les rives de la Garonne et du canal du Midi, Toulouse. Une cité universitaire qui mélange le bourdonnement des étudiants qu'elle accueille à ceux du secteur aéronautique bien présent. Mais c'est surtout une ville où le Capitole, exemple d'un patrimoine riche, veille sur des murs où la brique est présente partout. Elle confère cette brique à la cité, cette lumière particulière qui lui a valu son surnom de ville rose. Autre caractéristique de Toulouse, son accueil chaleureux et un art de vivre symbolisé notamment par une cuisine généreuse et un plat typique qui en est l'ambassadeur mondial, vous l'aurez d'ailleurs probablement reconnu, c'est le cassoulet. Alors, donc pour faire le cassoulet, eh bien, d'abord le cassoulet ça vient du mot cassoul. Le cassoul en patois c'est ça, c'est le plat en terre, hein. Voilà. Alors, c'est le plat en terre que les fermières autrefois mettaient dans l'âtre de la cheminée et où l'on confectionnait toutes sortes de choses. On pouvait y confectionner aussi bien la soupe aux choux que le cassoulet. C'était le plat unique. Alors on tapissait un petit peu le fond de la terrine de coin de porc. En plus, c'était un mets qui n'est pas très, très onéreux. Ensuite, on mettait les haricots blanchis, bien sûr. Ensuite, on y mettait, bien sûr, les aromates, le thym de la Montagne Noire, bien sûr. Le thym de la Montagne Noire, de l'ail, beaucoup d'ail. On met beaucoup d'ail. Alors, c'est l'ail de Lautrec, là, bien sûr, hein, l'ail de la région. Tout est régional. Hein. On met des morceaux de porc confit. Alors ça, c'était un petit peu le dimanche hein, qu'on faisait ça. Le cassoulet, traditionnellement, il n'y avait pratiquement que des coignes et un petit peu de viande salée. On l'améliorait le dimanche avec des coignes, avec de la saucisse grillée et avec du confit d'oie. Alors notre cassoulet là est pratiquement monté. Simplement, on va y rajouter la petite poudre de perlimpinpin. C'est un petit peu le secret de la maison. Alors dans laquelle il y a, vous le voyez ici, de la muscade. Et là, nous allons tout simplement mouiller le cassoulet avec un fond que nous avons préalablement cuit, un fond à base de volaille, à base de canard, à base de viande. Donc nous mouillons les haricots. Et nous allons mettre ça, non pas dans l'âtre de la cheminée, nous, mais on va le mettre au four. Puisque nous n'avons pas de cheminée, nous allons le mettre au four. Voilà. Et là, il va cuire, on va le laisser cuire. Il va se former une croûte sur le cassoulet. Cette croûte, on dit qu'il faut casser 7 fois la croûte avant de consommer le cassoulet. Pourquoi ? Il y a 7 jours de la semaine. Et forcément, je vous ai dit tout à l'heure que le dimanche, on ajoutait du confit et on ajoutait de la saucisse, on ajoutait des ingrédients un peu plus nobles. Et donc, on disait que le 7e jour, il était meilleur que d'habitude, le cassoulet. Forcément, on ajoutait des choses meilleures, donc forcément, il était meilleur. Je vous ai dit qu'on cassait la croûte, d'où l'expression « on va casser la croûte ». Ça ne vient pas du pain, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça vient du cassoulet. Alors là, il va cuire environ 3 heures. Là. Et en fin de cuisson, je rajouterai les saucisses et les confits. Le cassoulet est très digeste. Puis je vais vous expliquer le deuxième effet du cassoulet. Deuxième effet du cassoulet, nous on a tendance à dire à nos clients quand ils s'en vont « bon vent ». Le voilà. Alors vous voyez, la croûte s'est formée dessus, les confits sont légèrement croustillants, c'est dommage qu'à la caméra on ne puisse pas le faire sentir à nos téléspectateurs ce cassoulet parce qu'on coucherait avec là. Hein.